يقدم لكم هذا البرنامج برعاية مجمع مدار. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour ce spécial visite ou émission spéciale de la visite du président Tebboune en Chine. Le président Abdelmadjid Tebboune s'est rendu ce matin à Shenzhen, ville du sud du pays, dans le cadre du quatrième donc, jour de sa visite d'État qu'il effectue dans ce pays. Bien avant, le chef de l'État a rencontré à Pékin la communauté algérienne établie en Chine. Le moins qu'on puisse dire est que cette visite est loin de ressembler à toutes les autres visites de par la richesse des rencontres et le nombre des accords signés entre les deux pays. Le président étant accompagné par une forte délégation d'hommes d'affaires algériens. Cela s'explique. Retour sur ce quatrième jour alors de la visite d'État du président en Chine. Alors, pour en parler, nous accueillons avec beaucoup de plaisir depuis Moscou Kamel Louage, journaliste à Sputnik Afrique, que nous allons retrouver dans un petit instant. Nous avons également avec nous depuis Tunis Rida Chromdali, directeur général du Centre d'études et de documentation économique et juridique et sociale. Monsieur Chromdali, bonsoir. Merci d'être avec nous. Et nous allons également donc avoir dans un petit instant Salah Majalloul, expert en économie. Il sera avec nous par Skype. Et Saïd Boussetta, directeur de la rédaction du quotidien L'Expression, qui est avec nous par téléphone. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous pour ce débat. Alors, pour commencer, comme on le disait, cette visite est très importante et revêt plus d'une importance tant sur le plan économique que sur le plan, bien entendu, politique. Monsieur Boussetta, vous êtes avec nous ? Très bien. Alors, nous allons nous tourner vers Rida Chromdali. Alors, cette visite est très importante, je disais, pour l'Algérie, mais également pour la Chine concernant donc les relations bilatérales. Monsieur Chromdali, est-ce que vous pensez que cette visite donne également une connotation ou une révélation sur le plan régional pour les deux pays, à partir du moment où l'Algérie pourrait jouer justement ce rôle régional, à savoir en tant que pays africain, mais également maghrébin ? Oui, monsieur Chromdali, parce que absolument, parce que nous avons vu qu'il y a une tendance vers le rapprochement arabo-chinois, surtout après le dernier sommet en Arabie Saoudite. Et ce rapprochement, on a vu qu'il y a des pays qui ont tendance à vouloir adhérer au BRICS. Et donc, je crois que cette visite du président algérien entre dans le cadre de la diversification des relations commerciales et des relations économiques d'une manière générale avec un partenaire très important qui est la Chine. La Chine occupe une place de plus en plus importante dans le PIB mondial et c'est un concurrent important des États-Unis d'Amérique et des pays d'Europe. La Chine représente à peu près un partenaire très important pour l'Algérie à côté de l'Union européenne, bien entendu. Mais je crois que cette visite doit se concentrer essentiellement sur la diversification des relations commerciales hors hydrocarbures, parce que
L'Algérie a besoin de diversifier son économie, puisque le pétrole et le gaz occupent une place très importante et 93% des exportations algériennes. C'est le pétrole et le gaz. Le pétrole et le gaz occupent une place importante dans le PIB. Et donc, il faut penser à diversifier l'économie et à penser à une économie en dehors des hydrocarbures. Des hydrocarbures. Et donc, la Chine peut jouer un rôle très important dans le renforcement de l'économie algérienne et de préparer à une économie après l'ère du pétrole et gaz. Je crois qu'au niveau du pétrole et gaz, l'Algérie n'a pas de problème. Elle a des clients très importants et c'est l'Europe. On sait très bien que l'Algérie a signé un accord très important avec l'Italie. Et donc, en ce qui concerne la demande de pétrole et gaz, l'Algérie n'a pas de problème. Mais il faut que la Chine joue un rôle très important au niveau du renforcement de l'économie algérienne et pour une économie post-hydrocarbure qui permet de diversifier l'économie et de créer des secteurs qui peuvent renforcer l'économie algérienne. Très bien, monsieur Redaf. La Chine peut jouer un rôle très important au niveau de la création de l'infrastructure nécessaire pour une économie résiliente. Très bien, monsieur Redaf. Alors, restez avec nous. On va revenir vers vous dans quelques instants. Bien sûr, le temps de voir ensemble combien les relations bilatérales entre la Chine et l'Algérie sont ancestrales et sont très ancrées, dont les racines sont très ancrées dans l'histoire et dans le temps. C'est un sujet qui est signé Tininan Makassi. On revient tout à l'heure au débat. Du politique à l'économique, en passant par le culturel, les relations afro-chinoises ont pour socle l'histoire. Plus de 100 ans de coopération avec, pour philosophie, le gagnant-gagnant. Dès la fin des années 40, alors que l'échiquier géopolitique international se redessine, la République populaire de Chine, aux côtés d'autres pays du tiers-monde, veulent donner un nouveau souffle aux relations internationales. Une impulsion, tout trouvée à Bandung en 1955, en mettant sur les fonds baptismaux d'un côté les non-alignés et de l'autre le Sud global solidaire. Une clairvoyance qui rejaillit sur la 5e conférence des non-alignés à Alger en 1973. À cette époque, la marche de la libération de l'Afrique presque achevée, le regard se tourne vers l'avenir. L'apogée de la coopération entre l'Afrique et la Chine est sans doute entre les années 80 et 90. Selon les statistiques de 1979 à 1995, le nombre de projets de construction et de coopération de la Chine en Afrique était de plus de 5000, avec un montant total de près de 7000 millions de dollars. Le montant pour l'Algérie seule a atteint plus de 900 millions de dollars. Ce qui séduit l'Afrique dans la coopération avec la Chine est évidemment le respect de son intégrité territoriale et politique, contrairement à l'Occident dans ses rapports à l'Afrique qui se veut avant tout être une puissance de domination néocoloniale. Si les relations entre l'Afrique et la Chine ont connu durant les années 90 une lenteur, c'est sans doute en raison des grands bouleversements mondiaux subis de plein fouet d'un côté comme de l'autre. Et récemment encore, c'est la géopolitique mondiale qui permet un rapprochement entre les deux alliés historiques. Sur la même note, gagnant et le respect mutuel des intérêts communs. Une vision appelée de leur vœu par les peuples du monde entier. Et c'est dans ce sillage que s'inscrit la visite du président algérien Abdelmadjid Tebboune en République populaire de Chine, marquant ainsi 100 ans d'histoire entre l'Afrique et la Chine. Alors voilà, c'est ainsi un sujet signé Tininan Makassi, monsieur Reda Chkandli. Aujourd'hui, les relations entre l'Algérie et la Chine ne datent pas d'hier. Ce sont des relations vraiment plongées dans l'histoire. Sauf que cette visite, aujourd'hui, vient relancer justement ces relations et peut-être même les renforcer, non pas seulement économiquement, mais également sur le plan culturel et sur le plan même politique. Monsieur Chkandli ? Oui, absolument. Oui, absolument. Il y a
exporte beaucoup plus en Europe, mais importe de la Chine. Pour que les relations soient beaucoup plus renforcées, et c'est l'occasion de la visite du président algérien, M. Bouden, il faut vraiment ancrer sur l'investissement chinois en Algérie. Pourquoi ? Parce que les exportations algériennes vers l'Europe apportent des devises en euros, en euros et en dollars. Mais les exportations ou les importations de la Chine peuvent, dans le cadre de la dédollarisation, peuvent s'effectuer si suit la tendance de certains pays qui veulent utiliser la monnaie locale ou la monnaie, si vous voulez, BRICS, qui sera, si vous voulez, comme projet futur au niveau des pays BRICS. Et dans ce cas, il faut que la Chine investisse en Algérie et crée des sociétés d'exportation qui pourraient générer, si vous voulez, des recettes autres qu'en dollars et en euros. Et dans ce cas, si le projet ou le programme de l'Algérie veut migrer ou beaucoup plus vers les pays BRICS et essentiellement vers la Chine, il faut que les relations commerciales en termes d'importation et exportation soient beaucoup plus intensifiées avec la Chine. Et cela suppose que la Chine doit investir en Algérie et créer des sociétés d'exportation qui peuvent générer des revenus autres qu'en dollars et en euros. Et dans ce cas, elle peut, si vous voulez, contribuer à la dédollarisation du mondial, chose que, ou objectif, si vous voulez, fixé par les pays BRICS. Du BRICS, je oui. crois que le profit que peut tirer l'Algérie lors de cette visite, c'est de convaincre le côté chinois d'investir beaucoup plus, parce que l'excédent, il n'y a pas d'excédent avec la Chine. Généralement, l'Algérie importe beaucoup plus qu'elle exporte vers la Chine. Et pour que la balance commerciale algérienne soit relativement équilibrée ou excédentaire, il faut un investissement important en Algérie. Et donc, il faut que les exportations ou la création des sociétés d'exportation concourent à une augmentation des exportations qui peuvent rééquilibrer le solde avec la Chine. Sinon, c'est comme la Tunisie. En Tunisie, eh ben, la balance est fortement déficitaire avec la Chine. Dans ce cas, il faut que la Chine contribue à un équilibre de la balance commerciale avec un investissement, un fort investissement dans les pays du Maghreb, essentiellement en Algérie, pour que les exportations puissent augmenter vers la Chine. Et dans ce cas, la Chine deviendra, si ce projet se réalisera, deviendra un partenaire très important, c'est-à-dire un client et un fournisseur l'Algérie. Mais aussi, M. Schkondli, il faut préciser que ce matin a été annoncée justement la somme de 36 milliards de dollars d'investissement chinois en Algérie. Ça pourrait être bénéfique pour les Algériens, pour l'Algérie, n'est-ce pas ? Mais également pour les régions du Maghreb. C'est-à-dire que l'Algérie pourrait un petit peu jouer ce rôle de rayonnement sur les pays voisins, mais également de l'Afrique, pas seulement du Maghreb, mais de l'Afrique noire. Oui, en ce qui concerne les pays du Maghreb, je crois que les opportunités d'investissement ou les opportunités de réduction de la dette des pays du Maghreb est très importante. Il suffit que les exportations et les importations entre l'Algérie, par exemple, et la Tunisie se font par la monnaie locale. On a des touristes avec un nombre très important qui visitent la Tunisie et qui ont besoin du dinar tunisien. Et la Tunisie importe du gaz algérien. Elle peut le faire en dinar tunisien qui seront donnés aux Algériens pour financer leurs transactions
en Tunisie. La Tunisie reçoit des touristes algériens et ils ont besoin du dinar tunisien, alors que la Tunisie importe du gaz avec des sommes très importantes. Elle peut le faire en dinar tunisien qui seront déposés dans la Banque centrale algérienne, utilisés par les Algériens pour financer leurs transactions en Tunisie. Ça, c'est une manière pour réduire l'utilisation du dollar et de l'euro et pour réduire la dette des deux pays, que ce soit de l'Algérie ou de la Tunisie. Il y a des manières pour utiliser la monnaie locale et s'en sortir de cette, domination du dollar et de l'euro, l'objectif le plus important des BRICS. Oui, très bien, Monsieur Schrondli, restez avec nous. Nous allons donc nous tourner vers nos invités. Monsieur Boussetta Saïd, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, rebonsoir. Monsieur Boussetta, peut-on dire aujourd'hui que la visite du président Tebboune en Chine arrive au bon moment? Et surtout, pourquoi? Surtout si on sait que cette visite de la ville du Sud, c'est-à-dire la ville de la technologie, Shenzhen, qui a été donc visitée par le président Tebboune ce matin. Effectivement, je pense qu'il y a, une symbolique très forte aussi dans cette visite, dans cette ville technologique, pour une raison très simple. En fait, le plus grand succès de cette visite-là, donc il y a bien sûr l'aspect géopolitique, l'aspect diplomatique, et l'aspect économique, mais dans cet aspect économique, et je crois que c'est le grand succès de cette visite, c'est le transfert de technologie. Et le transfert de technologie, c'est le, comment on appelle ça, l'Algérie et la Chine ont signé un mémorandum pour la création d'un centre de transfert technologique. Ça, c'est exceptionnellement important. Ça veut dire que l'Algérie va bénéficier d'un transfert de technologie, et signe très très important de ce bénéfice-là, c'est l'implantation en Algérie d'une grande usine de batteries au lithium. Et ce n'est pas, et cette annonce n'a pas été faite par un entrepreneur, ni par un ministre, elle a été faite par le président Xi Jinping lui-même. Ce qui est, cette annonce a une portée très très importante pour l'Algérie, mais aussi pour la Chine. En fait, cette annonce-là, c'est un signal qu'envoie le président chinois aux opérateurs économiques chinois pour leur dire il faut aller vers de véritables investissements, des investissements structurels qui sont accompagnés par un transfert de technologie. Quand une nation comme la Chine, qui est en passe d'être la première puissance économique mondiale, consent à transférer de la technologie vers un pays comme l'Algérie, c'est quelque chose d'immensément important à mon sens. Vous savez, donc il va y avoir une sorte, un axe Pékin-Alger. Et donc Pékin n'a pas l'intention de construire des ports pour exporter ou pour, ce n'est pas un partenariat classique. C'est un partenariat accompagné par un transfert de technologie. Ça veut dire, si ce mémorandum est mis en œuvre très sérieusement, ça voudra dire que dans quelques années, l'Algérie va pouvoir fabriquer, va pouvoir maîtriser la technologie pour produire des batteries. Elle va aussi bénéficier d'une autre technologie pour réaliser, par exemple, des cellules d'énergie solaire, va avoir les matériaux, les premiers matériaux pour développer elle-même, pour que les scientifiques algériens développent eux-mêmes les brevets d'invention chinois et déposent eux-mêmes leurs propres brevets d'invention. Ça veut dire que il y a dans cet apport-là
une perche lancée par la Chine pour que l'Algérie puisse faire une économie considérable, une économie de temps considérable pour parvenir à son émergence. Parce que pour être émergent, vous savez, si l'Inde est émergente, c'est aussi parce qu'elle a un lanceur, un lanceur de fusée. Oui. Parce que l'Inde développe aussi une biotechnologie très importante. Et tout ça, c'est de la technologie, c'est des brevets déposés. Donc, ce lien-là, ce cadeau, je dirais, moi, ce cadeau qui bien sûr, la Chine va en profiter, on en parlera tout à l'heure, ce cadeau-là va permettre à l'Algérie de se développer de manière exponentielle dans les prochaines années. Et quand un pays comme l'Algérie se développe d'une manière importante, il va rayonner sur tout le Maghreb, et je vais vous dire aussi, sur toute l'Afrique, sans exception, l'Afrique francophone, l'Afrique lusophone et l'Afrique anglophone aussi. C'est toute l'Afrique, parce qu'il y a un axe Alger, Nigeria, Afrique du Sud, et cet axe-là, l'Algérie va le nourrir avec ses apports en technologie, mais aussi même vers la région MENA, la région Afrique du Nord, Moyen-Orient. Aussi, oui. L'Algérie peut rayonner dans ce sens-là. Parce que, et je pense que c'est le cœur de cette visite, à mon avis, et le président de la République à chaque fois, il a appelé à un transfert de technologie. Il l'a fait à Ankara. Il l'a fait à Rome, il l'a fait en Russie, il l'a fait aussi à Saint-Pétersbourg et à Moscou. Et là, il a eu une réelle réponse, il a eu une réponse claire. Nous allons implanter une usine ultra-moderne de batteries au lithium. Vous savez, les pays qui peuvent se permettre ce genre d'usine se comptent sur les doigts d'une main. Oui. Et plus est, la Chine, qui est déjà en avance sur cette technologie, va la proposer à l'Algérie. C'est quelque chose d'exceptionnellement important. Oui, on va revenir là-dessus, Monsieur Saïd Bouzeta. Donc, conserver quand même l'idée, parce que on va développer justement cette idée de rayonnement de l'Algérie à partir de l'Afrique comme point focal. Je reviens donc vers notre consultant ou vers notre invité Reda Chkondli à Tunis. Reda Chkondli, donc, selon vous, est-ce que ce rayonnement pourrait être porté justement par l'Algérie, ce rayonnement où l'ancrage serait la coopération serait avec, bien sûr, la Chine, mais l'ancrage serait pour toute l'Afrique. Oui, étant donné le positionnement stratégique de l'Algérie, l'investissement chinois pourrait se faire dans le secteur portuaire. Et dans ce cas, ça peut être un transit vers l'investissement et vers l'intensification des relations commerciales entre l'Afrique et l'Europe, et également l'Afrique et l'Asie. Oui. Et dans ce cas, je crois que c'est important pour que la Chine investisse dans le secteur portuaire pour développer les infrastructures dans les ports et permettre, si vous voulez, à l'Algérie de jouer ce rôle rayonnant en Afrique et un transit des exportations, des importations vers les pays d'Afrique. Je crois que l'investissement chinois en Algérie doit se faire dans les secteurs hors hydrocarbures pour renforcer l'économie algérienne et créer de nouveaux secteurs exportateurs qui pourraient bénéficier de cet investissement dans les ports essentiellement. Très bien, monsieur. Merci beaucoup, monsieur Reda Chkondli. Vous étiez avec nous depuis Tunis. Je vous remercie. On se tourne vers vous, monsieur Djelloul Salama. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, madame, et bonsoir aux téléspectateurs d'Algérie 24 News.
Merci beaucoup, bienvenue. Alors, on va dire le président chinois Xi Jinping a déclaré que ce jour, c'est-à-dire cette visite avec la rencontre avec le président Tebboune constitue notre première rencontre, je le cite, qui, nous souhaitons, donnera une direction claire et insufflera une nouvelle dynamique pour un avenir prometteur. C'est ce qu'a dit donc le président. C'est en effet la première rencontre, il faut le dire, Monsieur Salama, entre les deux hommes. Cela révèle toute l'importance accordée à la personne du président Tebboune. Qu'en pensez-vous ? Ben écoutez, en fait, l'importance pour le président Tebboune, premièrement, c'est une visite à caractère éminemment économique. Donc le président algérien, il est parti en Chine comme étant le premier commercial ou responsable du marketing économique de la grande entreprise Algérie. Donc il est reçu à bras ouverts, tout simplement parce qu'il représente un pays à fort potentiel intéressant pour l'économie chinoise et en même temps pour les grands équilibres géoéconomiques, on va dire, vu le grand projet chinois de la route de la soie. Donc l'Algérie, c'est un membre lourd dans l'équation économique chinoise dans les 50 ans à venir. Les Chinois, ils savent ce qu'ils veulent, attention. Oui, très bien. Donc, Monsieur Salama, je me tourne vers vous. On va développer justement cette idée, Monsieur Salama, de l'importance de cette rencontre entre les deux présidents chinois et algériens. Bien entendu, Monsieur Kamel Louadj, bonsoir. Vous êtes avec nous donc depuis Moscou. Le temps de retrouver Kamel alors. Très bien. Donc, on disait que cette coopération revêt une très grande importance, Monsieur Salama. La coopération est déjà assez ancrée entre les deux pays. Elle est solide. Cette visite est également peut-être l'opportunité d'explorer d'autres secteurs et de les renforcer en matière de médiation. Les deux pays présentent leur poids ou pèsent de leur poids et l'on a déjà démontré ceci à Alger comme à Pékin et ont déjà offert leur médiation dans le règlement de la crise en Ukraine. N'est-ce pas, M. Salama ? Ben, écoutez, je n'ai pas entendu, il y a une coupure de voix, je n'ai pas tout entendu, mais je devine un peu. Je disais que les deux pays avaient déjà offert leur médiation concernant l'Ukraine. Ces deux pays peuvent-ils jouer justement ce rôle de médiation puisqu'ils l'ont déjà fait avec l'Ukraine et on sait qu'ils l'ont déjà fait par exemple pour la Chine entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et par exemple pour l'Algérie lorsqu'ils ont réconcilié les factions palestiniennes. Donc vous voyez, il y a tellement de dossiers internationaux sur lesquels les deux pays ont joué en faveur de la positivité. En réalité, il faut être honnête et dire les choses telles quelles, la partie russe, la partie chinoise et la partie algérienne jouent en équipe. Il faut être honnête pour dire les choses telles quelles. Donc, il y a une mésentente préalable, il y a une mésentente d'office sur ce trio-là. Donc, ils agissent en concert. Qu'ils le disent ou pas, mais on voit clairement que ces trois grands pays agissent en concert et changent de rôle entre eux de temps en temps. Donc la Russie, elle est partie, on va dire, entre guillemets, en guerre ou en opération spéciale. Oui, M. Salama. La Chine, derrière, elle joue le rôle de la neutralité, mais tout le monde sait que c'est le premier fournisseur et le premier client de la Russie. Donc, le soutien économique pèse plus et vaut mieux qu'un soutien militaire dont la Russie n'en a pas vraiment besoin. L'Algérie, elle joue les bons offices. Elle sait faire, elle a de l'expérience et elle a du mérite. Elle a réussi sur des dossiers clés, des dossiers de poids, politique important comme l'affaire de l'Ellengate, donc là où il y avait les otages de l'ambassade américaine à l'époque à Téhéran. Et l'Algérie a marqué un très grand point. Et les Américains, ils ont plein de défauts, mais ils ont une qualité, ils sont reconnaissants. Ils sont vraiment un peuple reconnaissant, même avec son administration. La preuve, envers l'Algérie, ils ont toujours tenu un discours plutôt reconnaissant. Conseillant et plutôt amical, et ça continue à l'être. Donc, si on veut sur la médiation, on a vu qu'à l'instant où les Chinois ont fait une proposition de médiation, les Occidentaux ont fait la fine bouche.
et ils ont fini par la repousser doucement, on va dire. Par contre, la médiation algérienne, ce sont les Européens qui sont venus à Alger la demander. Absolument, oui. Nous ne l'avons pas proposé de notre propre initiative. On se rappelle bien les visites des membres de la Commission européenne qui ont fait des escales à Alger. Ils étaient nombreux à venir dire aux Algériens c'est vos copains, essayez de faire quelque chose. Donc l'Algérie fera quelque chose dans le sens où les partis l'ont demandé. Oui. Monsieur Salama, on va vous retrouver dans un petit instant. Monsieur Kamel Louage, vous êtes journaliste à Spoutnik Afrique. Bonsoir. Vous êtes avec nous en direct Bonsoir. De Moscou. Bonsoir. Et merci pour l'invitation. Merci. Alors, vous venez donc de rejoindre le débat. On disait que les deux pays, la Chine comme l'Algérie, ont peut-être eu ce rôle de médiation. Ils ont un petit peu influencé leur région sur le plan régional, l'Afrique et le monde arabe pour ce qui est de l'Algérie, et peut-être le dossier ukrainien pour ce qui est de la Chine. Et comme disait tout à l'heure M. Djellouj Salama, il est vrai que la Chine a proposé sa médiation à l'Ukraine concernant l'Algérie, le cas, c'était un petit peu le contraire. C'est les Européens qui sont venus vers l'Algérie pour que celle-ci intervienne, justement, pour une médiation et essayer de ramener les deux parties à la table des négociations. Monsieur Kamel ? Je crois que votre... Oui. Je crois que votre question, on pourrait répondre en deux étages. La première... Première chose à dire, c'est que effectivement la Chine et l'Algérie ont un assez bon héritage diplomatique, politique à l'échelle internationale. Elles ont un assez bon poids, disons pour la Chine régionale et internationale, économique et militaire, et l'Algérie régionale en Afrique du Nord et en Afrique. Donc leur rôle avec l'expérience que ces deux pays ont pour contribuer à une médiation et mettre fin au conflit, certainement, ils peuvent le faire. Mais le problème, c'est que la partie ukrainienne, il faut le dire franchement, ce n'est pas le gouvernement de M. Zelensky, ni Zelensky et M. Zelensky lui-même qui décident de continuer ou de mettre un frein à la confrontation militaire ou de geler le conflit le temps d'une négociation de paix. Ce sont les États-Unis qui décident et l'OTAN. Alors, si les États-Unis voient dans leur intérêt d'arrêter le conflit immédiatement, il y aura certainement des espaces qui pourraient être exploités pour lancer des négociations de paix. Et je crois que l'Algérie, oui, elle est bien positionnée, la Chine aussi, qui a déjà, ça fait quelques semaines ou deux mois à peu près, énuméré une sorte de feuille de route où elle énumère les principes sur lesquels on pourrait lancer une négociation de paix. Mais le problème, comme vous le voyez, ce n'est pas une affaire de médiation, mais c'est que ceux qui ont poussé l'Ukraine à aller dans ce conflit contre la Russie pour servir les intérêts de la partie occidentale, notamment les États-Unis, et l'OTAN, cette partie-là n'est pas prête, justement, à aller vers des négociations. Et tout est clair dans la déclaration finale du sommet de l'OTAN à Vilnius. Ces pays ne cherchent pas la paix. Oui, très bien. Alors, M. Kamel Louage, ce qu'on essaie de dire, quelque part, c'est qu'il est vrai qu'aujourd'hui, la décision n'est pas entre les mains des Ukrainiens, même si la Russie a son mot à dire là-dessus. Mais ce qui compte, certainement, c'est qu'il y a eu quand même des tentatives pour essayer justement de désamorcer les choses. Et la Chine a joué un rôle assez important, puisqu'à un moment donné, il faut le dire, qu'il y a eu des envoyés spéciaux pour l'Ukraine et pour la Russie. Et pour l'Algérie, je disais que l'option a été quand même formulée d'une médiation algérienne.
Finalement, en somme, ce qu'on est tenté de dire, M. Kamel, c'est que, est-ce que ces pays, finalement, comme l'Algérie, qui est un pays africain, maghrébin et arabe, et bien entendu la Chine, qui peut également peser de son poids, ne peuvent pas désormais espérer, en tous les cas, ou avoir cette prétention de jouer ce rôle, chacun de son côté ? Lorsque je parle de convergence des points de vue, car comme je le disais tout à l'heure à M. Salama, ils peuvent, bien sûr, ils peuvent, ils le doivent, même en particulier pour les pays africains qui risquent et qui subissent, non seulement ils le risquent, mais ils le subissent dans leur chair et quotidiennement, les répercussions de ce conflit, notamment l'effet boomerang des sanctions unilatérales et illégitimes qui ont été décrétées contre la Russie. Vous savez que ça a entraîné beaucoup de problèmes économiques, notamment l'inflation, et les pays africains sont les premiers qui subissent cette situation. Il y a eu même une délégation de plusieurs pays qui sont venus et ils ont rencontré les autorités russes, et ils ont rencontré les autorités ukrainiennes. Et la déclaration dans les deux réunions, on dit qu'il y avait pas mal de choses positives qui laissent espérer qu'on pourrait avancer vers la paix, mais ça n'a pas abouti, ça ne peut pas aboutir quand vous avez en face de vous quelqu'un qui ne veut pas justement s'asseoir et négocier la paix. Oui. Les Américains viennent de livrer des bombes à fragmentation, des bombes à sous-munitions qui sont interdites les conventions internationales. Ce sont des armes interdites. Et ici, imaginez maintenant un instant, d'ailleurs, maintenant nous avons les preuves que les Ukrainiens ont commencé à les utiliser. C'est imaginer un seul instant que si l'armée ukrainienne commet la folie de les utiliser sur le sol russe. Qu'est-ce qui va se passer ? Oui, très bien. Donc, le problème, il est chez la partie occidentale, en particulier les Américains. S'ils décident d'avancer vers la paix, oui, là, la Chine, l'Algérie, l'Afrique, tous pourront s'engouffrer dans cette brèche et essayer de trouver une solution. Mais dire qu'en ce moment, je ne vois pas quel espace laisse les Occidentaux, en particulier l'OTAN et les Américains, ce n'est pas pour tout qu'il à fait y ait une tant le fait que oui, ce n'est, Monsieur Kamel Lawadj, ce n'est pas tout à fait tant le fait que ces pays arrivent peut-être à solutionner justement ce qui est bloqué en Ukraine entre les deux parties. Et on sait très bien que la guerre ou la situation en Ukraine ne se pose pas en termes de belligérants entre la Russie et l'Ukraine, mais qu'elle dépasse de loin ces deux pays. Ce qui est plus important, c'est qu'on a remarqué, par exemple, aujourd'hui un grand déploiement chinois sur la scène internationale. La Chine s'est un petit peu ouverte sur le monde occidental, surtout après ce qu'on appelle la crise du Covid, mais également celle de l'Ukraine. Elle s'est déployée et on l'a vu, elle a joué un rôle assez prépondérant de médiation. La Chine aujourd'hui tend la main et le rôle a été joué avec cette réconciliation ou ce rapprochement entre l'Arabie saoudite et l'Iran. L'Algérie a également joué de son côté dans son continent, dans sa région et dans le monde arabe, comme vous le disiez tout à l'heure, ou comme le disait M. Salama, dans la région MENA, ce rôle de médiation, par exemple, et de rapprochement des factions palestiniennes. Elle a également tenté de faire reprendre le giron de la Syrie au sein de la Ligue arabe. Autant de tentatives diplomatiques qui ont bien marché. Et c'est pour ça que je posais la question, est-ce que ces deux pays finalement ne pourraient pas être ces deux porteurs d'espoir, d'autant plus qu'il y a une grande convergence de points de vue sur certaines régions d'urgence sur le plan international, M. Kamel ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien sûr que la Chine a réussi un exploit extrêmement important en dégelant, en désamorçant la bombe que les Occidentaux ont créée dans le Moyen-Orient depuis des décennies, en ramenant la paix entre l'Iran et l'Arabie saoudite. C'est une diplomatie, bien sûr, qui a réussi. L'Algérie aussi, elle a réussi dans pas mal de choses. Mais
Je reviens encore une fois au sommet de l'OTAN de Vilnius. Ce sommet de l'OTAN, il a mis en place une stratégie de déploiement de l'OTAN dans la région Indo-Pacifique. C'est une région, normalement, l'OTAN, c'est l'organisation du traité nord-atlantique. Donc, c'est l'Atlantique. Qu'est-ce qu'il va aller faire dans la région Indo-Pacifique? Donc, les Chinois, tout de suite, il ne faut pas sortir d'une grande école d'études militaires ou de stratégie pour comprendre que c'est la continuation de la politique de l'endiguement de la Chine. Et la Chine, dont le même jour ou une journée avant, le président chinois a ordonné à l'armée chinoise de se préparer à un conflit de haute intensité. Donc c'était clair que c'était la réponse un peu à ce qui se tramait dans le sommet de Vilnius. Il y avait même l'idée de créer ou d'ouvrir un bureau de l'OTAN au Japon. Et il y a certains pays qui ont refusé, comme la France. Donc, vous voyez, il y a encore cette politique agressive occidentale qui ne veut pas accepter que leur hégémonie, leur domination à 100% soit contestée par quiconque. Très bien, oui. Donc, c'est très, très difficile parce que ce sont des puissants. Quand même, les États-Unis, c'est une grande puissance beaucoup, militaire. Merci beaucoup, Monsieur Kamel. Mais ce qui est intéressant, par contre, et là, je rejoins votre opinion, c'est que l'Algérie, la Chine et d'autres pays, l'Iran, l'Arabie Saoudite, il y a toute une constellation de pays qui contestent justement l'ancien monde, qui revendiquent leur souveraineté et qui se rapprochent donc sur les questions politiques et stratégiques. Et c'est très très important parce que l'Occident, même s'il ne veut pas de la paix en ce moment, c'est un monde qui est en déclin et il va y arriver à un certain moment où on arrive à une situation d'équilibre, où il va falloir s'asseoir à la table des négociations pour trouver des solutions. Merci beaucoup, en tous les cas, M. Kamel Laouedj. Je ne vois pas de solution, franchement. Merci beaucoup, M. Kamel Laouedj. Vous étiez avec nous donc, de Moscou. Vous êtes journaliste à Sputnik Afrique. Merci d'avoir été avec nous. M. Saïd Bousseta, alors, on a quand même abordé plusieurs points. Selon vous, non pas selon vous, mais disons que avant même de se rendre à cette ville de la technologie, aujourd'hui, le président Tebboune a eu à rencontrer et donc à se rapprocher de cette communauté algérienne qui se trouve en Chine, à Pékin. Alors, selon vous, quel est le rôle de cette communauté algérienne? Quel rôle peut-elle jouer aujourd'hui pour, justement, faire connaître davantage l'Algérie aux Chinois? Je pense que cette rencontre avec la communauté algérienne en Chine relève d'une conviction profonde du président de la République que la diaspora algérienne est un facteur important de croissance pour le pays. Ça, c'est clair. Et la diaspora algérienne, elle est réputée par son patriotisme, mais aussi par sa qualité, par sa grande qualité scientifique. En Italie, en Turquie, partout où il a été, le président de la République rencontre systématiquement la diaspora algérienne. Donc, il y a un conseil scientifique en Algérie où les scientifiques de la diaspora y siègent à titre de membre permanent. Donc, ce rapport à la diaspora que le président de la République a renouvelé encore en Chine relève d'une stratégie beaucoup plus profonde. Ce n'est pas seulement, c'est-à-dire que là où il va, il prend attache avec les Algériens établi dans le pays donc qu'il visite pour la sensibiliser, pour lui dire que l'Algérie est là et que l'Algérie a véritablement besoin de ses enfants établis à l'étranger. Il faut dire aussi que ce lien, mais vraiment, c'est un véritable lien très sérieux que tisse le président de la République avec les Algériens de l'étranger et toutes les décisions qui ont été prises en Algérie à la faveur de nos expatriés, ce sont des décisions qui ont fait tilt. C'est-à-dire que maintenant, nous avons des scientifiques algériens aux quatre coins du monde
qui viennent beaucoup plus souvent qu'avant en Algérie, qui organisent des sessions de formation à des étudiants algériens et qui travaillent aussi dans le sens, c'est-à-dire, et puis il y a eu cette grande école de implantée en Algérie par exemple de l'intelligence artificielle où beaucoup de nos scientifiques établis à l'étranger donc viennent donner des cours, viennent accompagner la dynamique scientifique que prend l'Algérie. Je pense que si le président a choisi cette ville-là pour rencontrer les Algériens qui habitent dans cette ville-là, c'est bien sûr, c'est-à-dire que la communauté algérienne, elle est déjà là, donc elle fait déjà, elle est représentative de l'Algérie, elle la représente très bien dans l'écrasante majorité des pays où elle est établie, parce que c'est une communauté de qualité, pour une très grande majorité, ce sont des Algériens qui font leurs études ici en Algérie, qui terminent leur cursus universitaire en Algérie, et puis qui s'expatrient pour poursuivre leurs études et pour finalement s'établir dans les pays où ils ont été. Et on ne peut pas leur jeter la pierre, ce sont des patriotes. Oui. Ils attendaient qu'on leur tende la perche. Et le président de la République, depuis son arrivée aux affaires en Algérie, depuis qu'il est devenu président, il en a fait un axe essentiel de son action à la tête de l'État. Et je crois que ça rentre dans cette logique-là. C'est oui. Ce qu'il a dit, donc sa rencontre avec la diaspora algérienne en Chine est à inscrire dans la démarche présidentielle depuis 3 ans déjà. Merci beaucoup, Saïd Bouseta. Salama Djelloul, vous êtes toujours là avec nous. Alors, on parlait justement de cette communauté algérienne établie en Chine, qui est une diaspora assez intéressante et qui pourrait effectivement vraiment travailler en faveur de l'Algérie, de là où se trouve donc cette communauté. Mais moi, ma question qui se pose, donc que je pose à vous, Monsieur Salama Djelloul, c'est qu'aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, et j'y tiens, c'est que c'est 36 milliards quand même de dollars investis ou qui vont être investis dans plusieurs secteurs en Algérie représentent finalement l'importance avec laquelle la Chine voit l'Algérie qui pourrait jouer effectivement un rôle primordial d'abord sur le plan régional africain mais également sur le plan maghrébin et surtout comme je le disais ce rayonnement peut aussi se répercuter de manière assez large. D'autant plus qu'on parle de plus en plus de cette fameuse route de la soie ou la ceinture, comme on l'appelle. Monsieur oui, Salama. Si j'ai bien compris, vous me demandez à peu près qu'est-ce qu'on recherche comme bénéfice mutuel. C'est ça à peu près votre question. C'est bien ça, j'ai compris ça. À travers juste sa coopération avec la Chine. Bien entendu, oui. Oui, bah, écoutez, c'est très simple. Pour la question de la diaspora, pourquoi nos politiques algériennes prêtent attention à la diaspora chinoise, enfin algérienne établie en Chine principalement, parce que on a besoin de comprendre la culture chinoise, on a besoin de jeter les ponts. Donc il faut savoir que l'Algérie a mis le cap sur l'Est, grosso modo, et a plus ou moins tourné le dos à ses anciens partenaires, on va dire grosso modo, hein. Ses anciens partenaires, entre autres la France par exemple, depuis bientôt 3 ans, tout simplement parce qu'on fait un ancrage à l'Est. Cet ancrage, il y a un déficit culturel de compréhension. Les Algériens ont besoin de comprendre la mentalité chinoise, ont besoin de comprendre la culture chinoise et ont besoin d'apprendre à négocier avec le Chinois. Donc notre diaspora, c'est, on va dire, notre fer de lance le plus avancé, tout simplement. S'ils sont établis là-bas, ça nous permettra, nous ici, de mieux dialoguer avec nos partenaires asiatiques. Ça d'un côté. D'un autre côté, la Chine a tout intérêt à avoir un point d'accroche à l'Afrique du Nord, à un jet de pierre de l'autre côté de la Méditerranée. Donc en ayant un point par exemple, sur les eaux profondes de Cherchel, un port comme celui de Cherchel, il sera fait pour
on va dire les gros paquets, tout simplement. Ça sera une porte sur l'Afrique tout entière, à partir du port de Churchill, que moi j'appellerai le bijou algéro-chinois dans les décennies à venir. Et d'un autre côté, on est à deux pas de l'Europe du Sud. Donc, sur la route de la soie, l'Algérie, géographiquement, c'est un membre important de l'équation économique chinoise. De l'autre côté, les Algériens, comme ils sont dans une logique de diversification de partenaires, et puis il faut comprendre, aussi, les Algériens ne font pas exception au reste du monde, notamment le monde arabe, qui prend un peu ses distances ces dernières années, depuis pratiquement début 2022, par rapport aux Occidentaux, au vu de ce qu'ils ont fait aux Russes. Donc, les 10 paquets de sanctions contre la Russie, entre autres les sanctions financières, ils ont disjoncté la Russie du système SWIFT, ils ont bloqué pratiquement tout le système d'assurance des transports logistiques maritimes russes. Bien, oui. Donc, tout ça a pesé et a donné une leçon à tout le reste. L'Algérie ne fait pas exception. L'Algérie aussi a tiré ses leçons. Il dit, bon, ça devient quasi important, quasi primordial pour l'Algérie de diversifier ses partenaires. Merci, M. Salamah Jallouh. Le partenaire chinois est bien placé pour être un partenaire stratégique de premier plan. Merci beaucoup, M. Salamah Jallouh. Vous étiez avec nous donc par Skype depuis Alger. Je rappelle que vous êtes expert en économie. Merci d'avoir été avec nous. Saïd Boussetta, également grand merci. Vous êtes directeur de la rédaction du quotidien L'Expression. Redash Kondali, directeur général du Centre d'études et de documentation économique et juridique et sociale, était avec nous par Tunis. Et Kamel Louage, journaliste à Sputnik Afrique depuis Moscou. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On se retrouvera demain pour un autre numéro de l'Échiquier et une édition spéciale consacrée justement à la visite du président chinois. قدم لكم هذا البرنامج برعاية مجمع مدار.